Papy Happy est né en 2016. J'étais directeur d'EHPAD et de clinique en SSR. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens, lorsqu'ils cherchaient un logement, c'était compliqué. Compliqué de trouver l'information, compliqué d'être accompagné et compliqué de savoir ce qui pouvait exister autour de chez soi. Papy Happy, c'est très simple. Il y a un côté digital où on référencie un peu plus de 12 000 solutions, de l'EHPAD à la résidence senior, au logement alternatif, type colocation, type béguinage. Ils sont classés par lieu géographique en fonction des avis déposés par les internautes et par nous, Papy Happy en client mystère. Et nous proposons aussi du conseil auprès des particuliers pour les aider à trouver le bon logement et nous pouvons les aider aussi à déménager et procéder à toutes les démarches administratives. On a pris le choix effectivement de se faire léser par la PAV via le label HS2 parce qu'au quotidien, nous mettons en place des règles. Nous faisons en sorte effectivement de travailler pour les seniors et de mettre au cœur de nos activités, au cœur de nos démarches, la personne âgée. Et on trouvait que HS2 prenait en considération tous ces éléments-là, du côté professionnel mais du côté humain. Et c'est ce qui nous a plu en fait, de montrer effectivement et de travailler avec la PAV sur ces sujets-là. Et pour bien voir effectivement que le travail mis en œuvre allait dans le bon sens et surtout allait aider nos aînés au quotidien. C'est pour ça qu'on a choisi la HS2. Lors de l'audit, on a beaucoup apprécié la relation qu'on a pu avoir avec l'auditrice, puisqu'elle maîtrisait très bien son sujet, elle avait une approche humaine, bienveillante et très professionnelle dans le suivi des différents critères qui nous ont été soumis et que nous avons été évalués sur ces critères. Ce qui était confortant et qui allait dans le bon sens, c'est qu'effectivement, par rapport aux questions et aux schémas organisés avec l'auditrice, on s'est rendu compte que tout le travail qu'on mettait en œuvre correspondait effectivement à une démarche de qualité et allait effectivement dans l'optimisation du système. On a fait un travail de qualité, mais on ne peut pas se relâcher. C'est pour ça qu'effectivement, d'avoir ce petit logo à côté de Papy Happy et de le voir au quotidien au bureau fait qu'on doit faire en sorte de garder ce niveau de qualité élevé et permettre aussi à nos équipes de continuer ce travail tout en développant nos activités, mais en gardant encore une fois en tête que la qualité est primordiale.